Quelle formation est nécessaire pour faire ce métier ? Moi, j'ai appris mon métier sur le tas, c'est-à-dire dans l'entreprise. On commence par insérer des clients, c'est-à-dire les fours de fabrication. Ensuite, on lance notre production. D'accord. Ensuite, on fait de l'emballage, c'est-à-dire qu'on couvre tous les pôles qu'on a sortis dans la production. Et là, il y a un Caris, moi-même, ça dépend, qui sort les lots et on les met dans les rangs. Quels sont les avantages et les contraintes de ce métier ? Les contraintes, je dirais, on travaille tout le temps debout. Les avantages, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, au niveau salaire, c'est quand même un salaire plus correct. On a des primes, on a la prime d'investissement, d'intéressement, on a la prime de participation bénéfice. Et on a aussi une prime trimestrielle par rapport au rendement. D'accord. Ce qui me satisfait le plus, c'est déjà au niveau des horaires, parce que ça permet quand même d'être libre, soit quand on travaille du matin, on est libre l'après-midi, et vice-versa, quand on travaille l'après-midi, on est libre le matin. Donc ça, c'est quand même un avantage si on veut faire les choses chez soi. Oui, c'est ça. Autrement, travailler pas tout seul, on travaille avec les camarades, et ça, je trouve que c'est sympa. C'est sympa, et puis l'ambiance est très bonne. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce métier ? Peut-être se lever le bonheur le matin, quand on est du matin, parce qu'il faut quand même se lever à 4h du matin. Ouais. Ah oui, c'est bonheur. Autrement, c'est un métier qui me plaît bien. Ouais. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ah, c'est bien. À la base, on connaissait pas ce métier. Et on avait plus de préjugés que de points positifs. On pensait que c'était un travail à la chaîne. On s'attendait à ce que ce soit vraiment un métier plus à la chaîne que ça, que ce soit toujours la même chose. Non, c'est pas un métier répétitif. On n'est pas toujours au même endroit sur place à faire le travail. Mettait souvent le métier de producteur de lignes en agroalimentaire, parce qu'on pense aux usines directement et en général on va dire souvent direct ça à rapproche par rapport à la viande ou les abattoirs. Ouais. C'est souvent ça, mais non, la preuve ici, bah oui. On n'est pas du tout dans la viande, hein, on est dans les tôles. C'est ça. Et on est conducteur de lignes quand même. Oui.